Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Bonjour, les bénis. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es gagnant, tu es un peu plus grand. Il y a un Congolais. 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 Il y a un Bio Africa Union et tout ça pour la machine, sinon vous voulez pas dire que vous voulez dire. Vous voulez dire que 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 Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, deuxième numéro. L'actualité, aujourd'hui, on ne parle plus de la question politique. Non. Je voudrais qu'on revienne sur des questions de société. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai sous mes yeux deux dossiers. En fait, je dois le dire que nous essayons d'aider la République de manière d'abuser. Parce que nous croyons que le pays, s'il repose sur les bonnes épaules, le pays va très bien se développer. Le malheur que nous avons connu dans ce pays, c'est que les mains indignes ont dirigé ce pays. Et que tout ce qu'on ne pouvait pas imaginer pouvait se faire sans moindre gêne. Comment on peut imaginer que les gens que nous votons, ceux-là vont à leur tour désigner d'autres personnes pour qu'ils prennent des décisions en notre nom, pour notre compte, mais en notre défaveur à la fin. On se pose des questions parce qu'on comprend ce que l'on veut. Bah, entreprise nyonso à l'État bobomi. Tobolingi bobomayango. Mutuna ezamoko. Bolingi to sala mboka oyo nini. Est-ce que Mboko lokola Congo, tokoki kobandela likambo lokola to connexion est la difficile na RDC, vous imaginez? Comment pouvez-vous imaginer que Brazzaville connexion na Bangweza qui toque, Angola connexion na Bangweza qui toque, Rwanda connexion na Bangweza qui toque, Afrique du Sud connexion na Bangweza qui toque, finalement bito to le kina Centrafrique sili to le kina ni lusus. Nous avons le taux le plus bas en termes de population, la pénétration à Internet. Le taux le plus bas. Vous avez une population de près de 100 millions d'habitants, mais on ne peut pas vous dire combien sont connectés. Et comme en termes de pourcentage, 3%, 10%, 15%, ça devient un débat d'école. Pourtant, ça ne devrait pas être un débat d'école, ça devrait être un débat de principe. On ne pouvait même pas dire non, mais écoutez, tout ça. Non, ça devrait être connu. Tozana ba entreprise na mboka na biso oyo. Ba mikumi saka toujours na kombo ya ba abonné na bango. Année passée, 1 million d'abonnés. Année au 10 millions d'abonnés. Année au 20 millions d'abonnés. Mais l'enveloppe qui suit est la datée. Vous avez, lorsque vous aviez 500 000 abonnés, vous avez qu'on foutre par exemple 3 000 dollars. Exemple. Bon, comme il y a 1 million d'abonnés, bon, vous foutez 3 000 dollars. Bon, comme il y a 200 millions d'abonnés, bon, vous foutez 3 000 dollars. Non, la question est simple. Batoba, Koliambongo, on a réseau,
bato ba pauvre ba préféré ba réseau de communication na biso o ezaya mboka oyo bazwa misolo ko leka biso ba congolais tala dossier à Vodacom tala dossier à RTL tala dossier ba entreprise union sowana o futi penda mega na yo aujourd'hui pardon aujourd'hui forfait il y a 100 minutes mais yo moko peno compter o tsaleli 68 minutes et sili on te dit et sili tu te poses la question mais et sili comment ngamoko na utiliser connexion na tangi ba minutes na ngai bolobi bien que forfait za 30 jours mais comment que ngana utiliser kaka 7 jours ya pamba et pas seulement 7 jours seulement parce que ogo utiliser 100 minutes na 7 jours ou même na 1 jour c'est possible mais na saleli 62 minutes ba preuve yango prélèvement yo so yango yo na ko prélever au moni pendant que dernier appel 2 minutes au kuna les gars qui 4 minutes ba téléphone mususu et na ba téléphone compteur et contact osali pendant yo mo tali que oh et compte léo 57 minutes et compte léo 62 minutes mais bon minute on a l'icolo et que wapi ça dit les réseaux te volent tes minutes et tu ne peux pas réclamer tu go toza combien o toza et belé na kata mboka o ya ko landa eloko na nous sommes au nombre de combien autre chose à faire, arnaquer modèle Luana chaque jour. Parce que l'organe de régulation, il y a secteur Luana, et dans la blague rebelle, et dans l'aventure rebelle, le ministère de tutelle, il y a dossier Luana, et dans le problème rebelle, l'exploitant public, oh, une fois tel à Macambouana, et dans le problème rebelle. En réalité, le secteur n'est pas organisé. Le secteur, à mon avis, est copérifié. Et quand il y a ma cop, on va le dire comme ça. Et quand il y a ma cambio ma cop, ma cambio ma camarade, ma cambio ma ami, et comme il est compliqué. Et puis disons-le un peu, mesdames et messieurs, dans quel pays vous avez vu quelqu'un qui a travaillé dans le privé, a celle-ci qui a travaillé dans le privé, a eu qui a travaillé dans l'entreprise et à l'État, ou dans les concurrentes dans le privé, et a eu un poste à DG dans la place Ouana, et quand il arrive, il accorde le marché à son ancien employeur. Mais attendez deux secondes. Mais il faut être malade pour ne pas comprendre ces choses-là. Mais il faut être malade. Donc, sélection même un critère exacté. Et quand on regarde le nom, son nom, le nom de ministre, et là, pratiquement, c'est pas bien. Le Congo, de l'ingito que le lobby vers le Congo, le Congo de Lumumba, ce n'est pas le Congo tout à l'heure. Le Congo de Kasavubu, le Congo, tout, ce n'est pas ce Congo-là. Même le Congo de Tien Tshisekedi, ce n'est pas ce Congo tout à l'heure. Ce n'est pas ce Congo. Le Congo de tous les martyrs, à Congo. Déjà, au moment où ministre, Combo est ministre, DG entreprise, au ministre Azali, tutelle, naé, DG Nango, à porter Combo et entreprise, il y a ministre. Est-ce que vous avez dit que c'est indigeste? Est-ce que ça ne vous fait pas voir que ce n'est pas bien, ce n'est pas décent? Il y a des choses, vous n'avez pas besoin de la loi. Il y a des choses simplement avec le bon sens. C'est dans une société des immoraux qu'on évoque très souvent la loi. C'est dans une société des immoraux qu'on représente, qu'on parle très souvent de la loi. La loi n'a pas interdit, la loi n'a pas interdit. Mais dans une société des personnes normales, hein, dans une société des hommes honnêtes, hein, on ne parle pas que de la loi, on parle aussi de la morale, on parle de l'éthique. On parle du bon sens. On parle de la décence. Et donc, il y a des choses où il faudrait, avec un peu de temps, avec beaucoup de retenue, il faut comprendre que ça ne peut pas aller. Ça peut aller. Mesdames et messieurs, je m'apprête à vous montrer des dossiers dans un endroit. Certifié par le parquet. Hein. Ce n'est pas des histoires. Non. Certifié par le parquet. Ici, j'ai un pro-justicien. Dans un élément où ça veut dire que l'État... La justice a yoki batou, à entendre batou, à bandit même Moussala. Il y a tellement beaucoup de dossiers que je n'aimerais pas aller plus loin dans ma dossier. Voilà. Parce que quand on a vu nos dossiers, moko na modèle, mboka ou kambamaki. Peut-être les cas qui se passent ici, ils ont des gens qui ont été en Atra, ils ont des gens qui ont été en RVA, Mais on a dit que Moussala est intersyndical. Ba travailler pour dénoncer mes gestions. N'a pas de dénoncer mes formes aux yeux de 4 entreprises d'abord. Je vous prends un cas. Parce que là, dossier, mon corps, assez important. Il y a un mandat d'amener au SANEMA déjà. Mais un dossier qui est toujours, on ne sait pas pourquoi. Et dans les racontants, on pose la question, on essaie de poursuivre le dossier. On nous dit non, le monsieur ne va rien faire parce que il a protégé le directeur de cabinet et le président. C'est pourquoi ici, je voudrais demander au directeur de cabinet du président de la République. Monsieur Eberron, vous êtes avocat, c'est vrai.
Vous êtes directeur de cabinet, c'est vrai. Mais il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas aussi qu'à battre, à traîner comme on a eu dans ma Kambouana. Cette histoire de télécom, je vous le dis aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, au début août. Je vous le dis, cher directeur de cabinet du président de la République, si vous ne faites pas attention, cette vague va vous entraîner. Si vous ne clarifiez pas les choses maintenant, cette vague va vous entraîner. Au niveau de la poste, il se raconte que vous êtes celui qui protège l'actuel comité de gestion. Il se raconte. Ces choses ne sont toujours pas prouvées. Mais arrive un moment donné, on ne peut plus faire autre chose. On n'aura plus le choix que de vous incriminer. Quand je dis « on », ça sera la rue, ça sera l'opinion. Cette opinion a dévoré Vital Kamerhe. Cette opinion l'a dévoré. C'est la même tendance, c'est la même chose qui va se reproduire avec vous si vous ne faites pas attention. C'est pourquoi je vous dis, moi je ne vous accuse pas. Contrairement à ceux qui vont le faire dans peu de temps, moi je ne vous accuse pas. Je suis seulement en train de vous dire ici, en votre qualité d'avocat, il y a des choses que l'on va vous coller dessus, que vous ne saurez pas vous justifier. Donc il est temps de tirer cette affaire au clair. Vous êtes l'avocat de l'ancien directeur de la société en question. C'est ce qu'on nous apprend. Et pas qu'on nous apprend. J'ai un document, moi ici, où vous avez perçu le frère en tant que, je ne sais pas moi, en tant qu'avocat. Mais je crois que vous l'avez perçu en tant qu'avocat. Je crois vraiment. Et je prie que je ne me trompe pas. J'ai un document. C'est une décharge. Sous l'ordre de Def Jean Diboula Tchabola, reçu la somme de 17 500 $ américains et tout ça, à la caisse de poste finance, fonctionnement de la centrale de DFI, FPT et tout ça, comme suite, frais de mission du DG, 2 000 $. Frais de mission de l'ingénieur Moulamba, 1 500 $. Frais d'achat de billets pour le métro, le DG, 3 159 000 $. Facture, Maître Kolangele Eberande, 2 500 $. Rapport exécution budget, 513 $. Quelque chose comme ça, oui, de dollars. Et puis, frais de mission du DG, donc DG, du DEF, pardon, DEF, 7 700 $. Le total vous donne 17 500 quelques. La décharge est là, hein, je ne suis pas en train de l'inventer. Et cette décharge est certifiée par le parquet. Certifié par le parquet. Ce n'est pas une invention. La signature, c'est du 20... du 20... 7e mois 2019. Alors qu'en ce moment-là, M. Eberande est déjà chef directeur de cabinet adjoint, Dirkaba du président de la République. Je ne suis pas dans l'incompatibilité, je ne suis pas dans ça. Il faut encore voir s'il y a incompatibilité. Mais je ne parle pas de ça. Je dis ici que, quand ça tombe sur quelqu'un comme moi, je peux lire, bon, il est avocat, il a posé un acte, il n'y a pas de problème. Mais quand ça tombe dans l'opinion, ça n'a plus le même sens. On vous accuse. Donc, il est temps que le directeur de cabinet tire au clair cette question. Mais mesdames et messieurs, permettez-moi de vous parler de la SCTP. Vous voyez le document que je tiens ici? Ce document comporte 93 décharges. Il y a signé et pas, il y a DG, selon Bango, DG Mouta signé qui va document Oyo, pour que Babi Misambongo na poste, na banque, il y a finance, il y a poste. Babi Misambongo, poste finance. Babi Misambongo na banque, na décharge Oyo, il y a organe de Batanangwa. Dans la plupart des cas, sans l'autorisation, il y a conseil d'administration. Parce que le DG, avant de voyager, il faudrait que Bayokanaba Solola n'a conseil d'administration. En principe, avant le déplacement du DG, avant qu'il n'effectue une mission, le conseil d'administration, il faut signer. Il faudrait que ça soit transparent. Je m'en vais dans tel endroit, financement, mais ici, il se pourrait. On nous raconte que le conseil d'administration est situé dans le Marambo. Donc, Bango Bayo Kaka, que déjà voit Jackie, il fait payer l'argent. 93. Alors, Mbongo Yuti, Wapi.
Le total, il y a ma facture au nion, et ça lit montant. Et ça lit 116 158 500 francs congolais. Je répète, 116 158 500 francs congolais. Voilà en francs congolais. En dollars, et ça lit 345 091 dollars. Ça veut dire ceci. Ça veut dire, on va arrondir, 345 000 dollars en dollars, na 116 158 500 francs congolais, nde oyo, ebima na des charges. Ebima na mbongo ya wapi, mbongo uta wapi. Il y avait un moment donné, na mbongo kanabiso oyo, il fallait pas ça là, ordre national y a infirmier. Il fallait pas regrouper tous les infirmiers, pas de la peine à ordre na bango. Si quand il y a un mouton qui marchait à Kosala, qui récoltait Mbongo à travers la République, ils allaient qui SCPT. De par sa banque post-finance. Il fallait battre à travers la République, infirmier, recouper sa Mbongo na Bangoana. Le coût de la banque, ils allaient qui 6%. Aux banques, il fallait percevoir. Si quand il y a un comique, ce qui battu, infirmier, il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de liquidité. Pourquoi il n'y a pas de liquidité? Talambongo et Bélé, oh, il y a Batou, et bien, Kobima, na Makamboyo. Bah, des charges, on a tangé les binos. Alors, si on a continué, on a tangé les binos, à ta 10, ça va nous prendre beaucoup de temps, mais il y a 93. Il y a 93, oui, 93. Il y a ceux qui ont dit, Ngaï Deba, Bijombe, ceux qui ont dit Kimboy, Moussa, là, je crois, n'a eu 30 000 francs pour la finance, pour la moine en Ngaï. Deuxième document, toi est en 54e, à l'obi, c'est toujours sur l'ordre de Jean Diboula Tchaboula, reçu la somme de 14 000 dollars, hein? Non, 1 400 dollars. Et bah définir en quoi tout ça. Ce qui est encore Tchaboula, toujours, tu es 750 000 francs congolais. Tu es en 44e, bon, décharge. Là, le montant, c'est 2300 dollars. Toyena, 42e, toujours sur ordre, M. Tchaboula, Bozan a 2000 dollars. Toyena, sous Awa, Tofongoli, n'importe où, on trouve 3000 dollars. Tofongoli, sous n'importe où, on se trouve avec 2000 dollars. Bref, tous ces mbongo, oh, bon, tout le monde dit, 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars, et ça mbongo, il y a poste T, et ça mbongo, il y a un infirmier. Document certifié, copie certifiée d'un parquet Yango. Mesdames et messieurs, bon, je me pose la question. Lorsque les gens s'organisent, parce qu'ils sont soutenus par un premier ministre, soutenus par une ancienne ministre, soutenus par, bas employés, bas bébissa, entreprise, il y a l'État, dans le modèle où il y a boué. Et puis les gens vont dire après, Félix Tshisekedi, ah ça, ça, des malamoutés. Donc on comprend maintenant. Que beaucoup de choses s'est passé à l'époque de Kabila comme ça. Et Kabila portait le chapeau, parfois pour rien. Mais non, pas pour rien, à cause de l'impunité. À cause de l'impunité. C'est ce qu'on va dire pour la Fatih aussi. Au bout d'un temps, on va dire la même chose pour le président Félix Tshisekedi. On dira, non, monsieur le président, bazoi bambongo, bozoyoka, mais vous ne faites absolument rien. Mais ici, il faut rappeler au président de la Cour de cassation. Au président des juridictions, au président du parquet, botal la makambo de le Canada société y a privé. Je suis très content comment que IGF sous l'impulsion du chef de l'État est bandi modèle wana. Mais nous voulons que l'IGF ait à enquêter na makambo OP. To sangi pe na ba inspecteur judiciaire, ba ya kufungola dossier na makamba poste. On ne peut pas dans un pays sérieux, le média ne peut pas parler et puis après il y a rien. Non. Venez enquêter. Balobi kuna ba consultant de ba travailler. Mais allez saisir le comité de gestion. Posez la question. Banani ba où tu as pi? Les fils maison sont où? Il y a des gens qui ont été enseignés dans Mboka Oyo. Kapo na mamba SCPT wana. Ba tangela en classe. C'est ce qu'on appelle des fils maison. Ils ont gravi des échelons à un moment donné. Pas personne ne s'occupe d'eux. Ba tiki bango modèle wana. On importe ba tout ba outi libanda. Ba yé, mais ça crée la frustration. Ça crée des injustices sociales. Ils ont détruit Moka Nabiso. Je vais vous montrer un autre contrat beaucoup plus scandaleux. Oyo, SCPT est signé. Et fini nanani. Est signé na RTL.
et signé Yango na RTL. Mais c'est scandaleux, mes frères. Parce que lorsque vous lisez les dossiers, lorsque vous lisez les documents, il y a lieu de vous poser la question, est-ce que Bato va comprendre mon salle? J'ai sous mes yeux ici un contrat relatif, le contrat relatif à un droit irrévocable d'usage et des capacités. Ici, l'entreprise s'emploie à vendre des capacités à ma client. Mais il se fait que RTL se taille la part de Lyon. Na kati ya contrat, on permet même à RTL yepa sou. Donc, ce qui a l'embi contrat il y a de 15 ans, yepa pe sa mutumusus. Mutumusus a continué na yango. Et ba pe si RTL toujours dans le cadre du contrat, ba pe si possibilité yepa RTL a kabaye pe capacité. Le trop hein, le trop de giga, le trop de connexion, le trop de union, ba pe si RTL yepa sa mutumusus. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, les réseaux de communication, au lieu d'acheter et pas à exploitant public, bah donc ne consomme Bayango et pas à RTL Yemoko. Bota la mboka modèle EKI. Bota la mboka modèle EKI. Et la raison qu'ils disent ça, non, Moni, la raison c'est que nous on n'est pas compétitif. Mais qui vous a rendu moins compétitif? C'est votre capacité managériale. Contraire modèle, comment ils vont continuer comme ça la mboka? Il faudrait ici que la présidence décide de dire non, 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 on annule ce contrat, on le revisite. Mesdames et messieurs, il y a un contrat, un autre contrat avec toujours RTL, c'était lequel? Le contrat disait ceci à peu près. Le contrat disait ceci. Par mois, RTL payait 400 000. Hein? Par mois, RTL payait 400 000. À peu près, hein, 400 000 dollars, donc 400 607 dollars. Un peu comme ça, on va dire. Donc, on va, pour ne pas aller dans les chiffres qui vont m'embrouiller, tout est qu'il y en a 400 000, disons même 400 000. Ce qui fait que 400 000 dollars le mois, à peu près, le mois, RTL a dit qu'on fouta na SCPT, le mois. Mais, Bartou Yassika, Baye balobite, ba pesi RTL contrat il y a 15 ans, s'il vous plaît. 15 ans pour un montant de 4 millions de dollars. Bon, je me pose la question. Sommes-nous humains? Toto Longoli, Makamoto, Sagamoki. Mbongo, il y a 1 million, il y a 4 millions de dollars. RTL pouvait la. Pardon, SCPT, engage Wango en 10 mois. Na 10 mois, la société allait prendre 4 millions de dollars. Pas dans une année, dans 10 mois. Mais la même société, sous un autre leadership, a PC RTL, contrat Wana, il y a 15 ans, maintenant 4 millions. Est-ce qu'on peut comprendre? Bradage, il y a modèle et outil, Wapi. Et pour quelle raison? Maintenant, quand on fait le lien, on se rend compte que Moutazaki Kuna, Yenazaki Mouta RTL, a commis Wana. Ça commence à devenir compliqué. Et l'État se tait face à l'injustice. N'a pas bradage, il y a modèle lourd. Un manque à gagner à pratiquement 82 millions, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est sérieux à un moment donné? Est-ce que nous pouvons à un moment donné être sérieux? On parle de 400 000 balles le mois. Mais vous partez, vous dites, bon, non, donnez-nous pas. Dans 15 ans, Topesibino, il y a 4 millions de dollars. Pas 400 millions de dollars, mais 4 millions de dollars. Pas 40 millions, mais 4 millions. Et puis, il y a 4 millions. Il y a un contrat, il y a peut-être un autre jour, quand on aura assez de temps. Il est clairement dit que Bafouta, c'est-à-dire une sorte, par exemple, il y a 2 millions. Bafouta, il y a 2 millions, il y a un contrat. Mais ici, on a le montant. Tant que c'est compliqué, il y a la justice va appeler Batou, RTL. Parce qu'il lève les copies, le document lève les copies, il y a un goyo. Lever les copies. Dis. Nango, yango, pardon, lever les copies. Yango, yo. Bakéi, comme ça, lever les copies à procès verbaux. Tant que Bakéi, comme ça, lever les copies, bah, il faut se rendre compte que, bah, fouta mbongo, anate. Bah, yana 1 million et quelques, ne bayanango. Bah, yana 200 000 nanou, bah, yana 1 million après, ainsi de suite. Mais mbongo, qui peut kakate. Et quand on pose la question à conseil d'administration, vous avez vu l'argent en question?
Vous avez vu, oh non, et Komiboué, et Kenakiboué. Et plus tard encore, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un seul compte. Il y a deux comptes ou trois. Mais c'est pas possible. C'est quelle gestion calamiteuse. Il y a un modèle, voilà. Donc il y a des fous. De quoi les gens vont se poser ma question. Nini, et le canal SCPT. Vous allez vous rendre compte que depuis le début jusqu'à la fin, je ne cite les noms de personne parce que je n'en ai pas besoin. Mais ce qui se passe, c'est affreux. Mais affreux, alors affreux. Donc, il y a de ces batous, oh yo, l'État n'a même pas besoin qu'on entende parce qu'il y a déjà eu des mandats d'arrêt. Donc, c'est des gens qu'on arrête directement et on amène, je crois qu'après interrogation, on les envoie en prison. Parce qu'on ne peut pas brader Barissa Sambokabou. Mais bizarrement, batouer modèle, on augmente deux mois après, trois mois après, en train de construire des complexes. Des maisons, ils s'achètent des choses, et bien, c'est pas possible. Je peux vous rafraîchir encore la mémoire. Bon, ma document, il est certifié, na parquet, je reviendrai pendant le temps, na malem, malem. Mais, na rafraîchir bien au moins l'histoire. SCPT, Société Congolaise de Poste et de Télécommunication, et qui a donc la télécommunication, parce qu'il y a Poste ici, Koufa. Ils ont tué la Poste, ils ont vraiment tué la Poste, au point même que la banque qui a Poste, tout. Oh, il faut que tu aies un client qui est infirmier, un client qui est en train de délocaliser Bango, tu as une banque privée, hein, pour qu'il y ait une commission, on ne sait pas ce que c'est Bango. Bref, c'est quand même assez compliqué. Mais mes frères, il y a un moment donné dans SCPT, il y a 10 gigas. Ils utilisaient 10 gigas. Mais na 10 gigas, wana, na leadership, il y a ancien DG, wana, bazaki na 10 gigas, na leadership, na ye, avec qui récolté 1 800 000 $. Chiffre à l'appui. 1 800 000 $ qui permettait à payer tous les travailleurs na Congo Mobimba. Vous n'avez peut-être pas bien entendu. Pas na Kinshasa, na Congo Mobimba. Avec seulement une capacité de 10 gigas seulement, il payait 1 800 000 de personnes. Pardon, 1 800 000 dollars. Il payait tous les agents à travers la République avec 1 million. Il a réfectionné le bureau, il a fait les valeurs, il a tout le monde. Mais lorsque, bon, l'ancien Premier ministre, à ce moment-là, qui n'est pas été, il a l'ongolier quand même, hein, pour des raisons, il a dit, oh non, allez, vous faire passer, ça, la passation va marcher gré à gré. Bref, on a raconté tout ce que je veux raconter, il a l'ongolier. L'actuel comité est, il y en a combien 20, il y en a 20 gigas. Mais dans 20 gigas, on va mettre en principe, on va mettre 20 gigas. Donc, il faut mettre au moins 1 800 000 multiplié par 2. Je ne saurais pas faire ces calculs-là, c'est assez difficile pour moi. Donc, vous avez quand même plus de 3 millions en tout cas. Hein? Vous avez quand même plus de 3 millions. Mais regardez les contrastes. L'actuelle administration est incapable de mobiliser 700 000 dollars. Incapable de mobiliser 700 000 dollars. Et à l'époque de l'autre directeur, 1 800 000 permettait de payer tout le monde. Hein. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas d'arriéré, en fait. Il n'y avait pas d'arriéré. Tout était bien, il n'y avait pas assez de problème. Mais l'actuel, il est incapable de réaliser 700 000 dollars. Quand on regarde un peu plus loin, on se rend compte que, créer un paiement, il y a 25 mois d'un paiement pour la bande de commissaires à la poste à travers la République. 25 mois d'impayement, 9 mois d'impayement pour Nabato Bazana Kinshasa. Aujourd'hui, les Kino, Bassala Kakuna, ils accusent près de 9 mois d'impayement pour certains. Et 19 mois, il y a un paiement à retraiter. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Avec 20 gigas. Mais comme ça ne suffisait pas, ils ont demandé 100 gigas. Papa, si 49 gigas. Mais 49 gigas, ça n'arrive toujours pas à servir. Et donc, continuez quand vous en avez pas problème. Voilà. Alors, il y a des quoi se poser des questions. Pourquoi les tarifs sont minorés? Pourquoi les contrats sont très mal saisis, disons, très mal négociés? Pourquoi le conseil d'administration est ignoré? Pourquoi il n'y a pas de transparence dans le comité de gestion à Bangoua Lelo? Pourquoi une personne peut être à la fois trésorier et à la fois comptable? Pourquoi? Et ça, c'est la question qu'on se pose. Ce n'est pas une entreprise privée, mes frères. Si c'était une entreprise privée, j'allais me taire, je n'allais pas en parler. Mais c'est une entreprise de l'État congolais.
entreprise, il y a État congolais. Donc, pour la tu vas comprendre que, parce que les gens peuvent dire, non, Christian Zoubé, Tabango, Ponanini, c'est la raison de protéger Moutou. Si j'étais en train de protéger quelqu'un, j'aurais cité les noms des gens. Je ne cite les noms de personne. Et puis, je l'ai fait sciemment pour montrer aux gens que je ne défends l'intérêt de personne. Nous défendons l'intérêt de la République. C'est ignoble. C'est ignoble de voir des gens s'enrichir allègrement, illicitement. Il n'y a pas d'allégresse dans l'illicite. On ne peut pas comprendre ça comme ça, mes frères. Si Kobo Bisanga, devant Bilo Kwaboué, tu revends dans Niendengenin. Gestion, il y a un giga, et ça, les Magandengenin. Comment on gère les gigas aujourd'hui? Comment vous pouvez donner à une entreprise la possibilité de vous concurrencer? Comment? Bon, vous pouvez une entreprise, vous pouvez essayer ma coquille, vous pouvez essayer un contrat, et puis, vous pouvez essayer, ok, vous pouvez essayer un contrat. Mais alors, notre budget, c'est une nouvelle fini. Ngara Congo Buzz, n'a pas si moutoumoro possibilité à ça là, à un client qui vient, ne fait non, ok, qu'un peu, tournera peu critique info, tournera peu face à face, ça l'a peu actubeuse, alors, bisous, tout ça, n'y a maintenant, on fait comment? Nous assistons à Congo, au moment que une société concurrente, à Zolé Ganaté, moi je paye plus, moi je paye moins, je fais payer moins, parce qu'il y a un contrat qui a été fait, au lieu de 73 000, bah, on foutra 35 000. Ce qu'on différence, c'est qu'on a donc des wapi et ça la nini, pas la nini bongo. Pourquoi tu as bradé un modèle wana? Bah entreprise de ce moment qui est sika, oui, bah pardon, bah bilo quoi sika, oui, yaki. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues. Mais il y a un modèle nini. Et ça qui est exonéré, oui ou non? Mais il faut qu'on vérifie. Non, le temps, on est qui a kala et c'est sili. Voilà pourquoi nous demandons, dans le cabinet à président, parce qu'il y a des dossiers là-bas, dans le cabinet à président, bon, mec, un peu kota là, de ces questions ici. Ne prenez pas ça à la légère parce qu'il en va la réputation du président de la République, survie à la population congolaise Nabisso, le patrimoine national Nabisso. Les hommes d'État ne devraient pas brader les ressources de Bango. Ils ont quitté sa concurrence de Oyama B contre l'entreprise Oyama déjà Namboka. La compétition, il faut préparer les autres dans la compétition. Vous ne pouvez pas ouvrir le champ de la compétition sans préparer vos propres fils. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Les privés sont compétitifs naturellement. Ils sont nés dans la compétition. Mais quand vous avez été dans le monopole, vous avez été dans le monopole, vous avez les vieilles habitudes du monopole, vous avez les mêmes choses, il y a un monopole, il est possible, mais vraiment très possible que lorsque vous entrez dans la compétition, qu'il faut perdre dans un moment avant qu'il faut s'adapter. Il faut que tu vas promouvoir leadership. Na management. Il faudrait que les nouveaux mandataires, bah, là, bah, manager, d'abord un manager, qui va amener un nouveau leadership, un nouveau management, qui permette à l'entreprise de s'en sortir. Mais pas le bradage d'un modèle autre. Depuis quand un consultant travaille à temps plein dans une entreprise et engage l'entreprise de l'État? Consultant. Depuis quand? Depuis quand il fait ça? Depuis quand on peut être consultant et rester longtemps dans le Jikwana? Non, on le fait quand l'entreprise n'a pas de fils maison, mais quand l'entreprise a des compétences, il y a un modèle Wana. Pourquoi avez-vous besoin de consultants si l'entreprise a des compétences? Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, dans la Washington. Malobi, maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Malobi, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Bilogo, y'a un gnosso congolais. On y dit, n'est-ce pas, y'a un sali saliote. Bon, la colère, la yon, comme bon, la yon. Bon, la toto, la yon, comme y'a elle. Bon, comme bon, la yon. Malobi, bio. Bio Africa Union et toi t'es là. Tout à coup on n'a pas si moi. Sinon vous voyez pas, sinon vous voyez rien. Mais quand on a l'air de la tête, il y a Mboka. Il y a Fresh. Il y a Bio. Bio na Bio. Bio na Bio. Si on a maman Bayo, pour la mon kanja y sali. Parobi Ndjombo y a li. Et Kouba Paniwa. Parobi Ndjende y sali. La Koumba Kanga y est chouem. Boto y a Mbise la. Parobi Ndjamba y a Boto y a Boko Boto y sa gane. Kala Ngando de Nalari na Basi. Pour la Corée, on a pris nos morts. Pas pour les radis, non, les radis, non.
Goliath n'a